vous êtes à Gadet-Terrefort. Et donc, il y a le chez, la maison de mes parents, là où on reçoit les clients pour les dégustations. Il y a la scierie pour le bois de chauffage et pour les piquets de vignes qu'on fabrique et qu'on vend. Les vaches, elles sont un peu plus loin parce qu'il y a 60 vaches sur l'exploitation. Et les vignes aussi sont un peu plus loin parce que dans le village de Coudescent, où nous sommes, les terroirs sont plutôt sableux et la vigne qu'il y avait dans les années 50, elle a disparu. Et sont les meilleurs terroirs qui ont été conservés. Donc les premières vignes sont à 150 mètres, un peu plus loin. Et après, ça s'étend jusqu'à il y a 20 km de distance. Donc, je suis la troisième génération. Ah oui, la troisième. Mon grand-père avait 4 hectares seulement d'hybrides, c'est-à-dire qu'il faisait du vin blanc, du vin rouge, un peu de tout, mais il vendait ça aux gens du coin, au cubi. Ils amenaient leur cantine et ils remplissaient les cantines. Et puis c'est mon père qui a repris dans les années 70 et qui a développé, qui n'a pas su s'arrêter. Et aujourd'hui, donc, il y a quasiment 40 hectares de vignes. On en met la moitié en bouteille pour faire Gadet-Terrefort et le reste, ça part en camion-citerne sans nom. C'est que des rouges? Non, on fait un peu de rosé et bientôt du blanc. Ah oui? Mais très peu, hein, c'est surtout le rouge. Alors, venez par là. Et ici, la maison et le chai. C'est mon grand-père qui a acheté la maison dans les années 50. Parce que mon grand-père était très pauvre. Hein. Payer le boulanger, déjà, c'était difficile. Ah ouais. Et il a même échangé un bout de terrain contre un cochon une fois parce que il n'avait pas assez d'argent. Et donc c'est la maison ici, il a réussi à l'acheter en vendant des pains parce que comme les bons vieux médocains, on ne mettait pas l'argent à la banque, mais on achetait du sol, de la terre et des bois. Ah et ouais. Ce qui pousse dans le sable, c'est des pins. Donc il avait beaucoup de pins dans la famille de ma grand-mère, donc son épouse et puis lui. Et tous les 50 ans, en général, chaque génération peut vendre les bois parce qu'ils sont assez gros et faire de l'argent. Et en vendant ben, tous les bois, il a pu s'acheter la maison ici. Sinon, jusque-là, il vivait dans une maison à une pièce. Et maintenant, c'est vous qui mène? Oui, alors je suis arrivée en 2011. Mais en même temps, j'ai repris des études de viticulture parce qu'avant, j'avais fait de la gestion et de la finance. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin, c'était très utile quand même pour gérer une entreprise. Et donc, depuis 2011, je suis ici. Et mes parents habitent sur place et sont quand même très présents. Moi, je m'occupe surtout de la commercialisation et de l'administratif. Et il y a un responsable technique, Michael Villain. Ce qui est particulier chez nous et qui ne se fait pas forcément ailleurs, je crois qu'on n'est que deux dans le Médoc à le faire. Et mon père, je pense, a été le premier. Il travaillait avec l'œnologue Monsieur Coisenon, qui a mis en place la macération préfermentaire à froid, mais longue à la neige carbonique. Donc ici, quand on récupère le raisin, on n'a que les baies, on n'a plus la rafle, hein, puisqu'on vendange à la machine. Et on met le raisin directement dans les cuves, on ne le foule pas. Et on va le brasser à la neige carbonique. On a un système de canne et on envoie de la neige carbonique sous pression qui sature l'environnement en dioxyde de carbone et donc empêche l'oxydation du raisin. Et en même temps, qui va le brasser et mélanger et refroidir la cuve à 4 degrés. Et pendant une dizaine de jours, les cuves, les raisins vont libérer leur jus et être à 4-5 degrés. Donc la fermentation ne peut pas commencer. Et on extrait comme ça davantage d'arômes de fruits, je pense, et aussi des vins plus souples. Alors, sur tout ce qui s'appelle Château Gadet-Terrefort, passe en barrique, exclusivement, 100%. Donc Gadet-Terrefort 2015, actuellement, est en barrique. Je vais arriver. Donc des barriques, chêne français, un peu de chêne américain, qui nous sert au Château Galmerac, qui est mon vin qui est un peu plus moderne, on va dire. Voilà. Et après, bon, des cuves de stockage, les machines pour faire les bibes, parce qu'on a beaucoup de clients aux alentours qui viennent régulièrement chercher leur cubi pour consommer. Hein. Ici, on boit du vin, je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi, je sais que midi et soir, je bois du vin. Et je pense que les gens qui vivent dans une région viticole ont l'habitude aussi de boire un peu plus que les citadins.